Le salaire annuel du prince Charles a considérablement augmenté ces dernières années. Selon les informations de l'Express, il a atteint 22,2 millions de livres sterling, soit plus de 23 millions d'euros. Cela représente une hausse de 3% par rapport à l'année dernière. De quoi rendre sa vie beaucoup plus agréable. Mais avec la crise du coronavirus, le salaire du prince de Galles devrait baisser de manière significative l'année prochaine. Mais il devrait conserver un bon matelas puisqu'il pourra toujours apporter son soutien financier à son fils, le prince Harry et sa belle-fille, Meghan Markle. Si la famille royale britannique parvient à résister à la crise financière qui touche le Royaume-Uni, s'y est-il grâce à un système de financement bien ficelé. Pour cause, depuis de nombreuses années, les revenus royaux provenant des principales sources de revenus de la famille sont passés de 63,5 millions de livres sterling à 142,4 millions de livres sterling en 2019. En plus de ces montants à faire tourner les têtes, il faut ajouter les investissements privés et les successions, qui sont cachés à la vue du public. En sa qualité d'héritier du trône, le prince Charles bénéficie de l'excédent généré par le vaste portefeuille de terrains, de bâtiments et d'investissements financiers du duché. Ses revenus en provenance de la succession privée ont augmenté de 617,000 livres cette année. Le prince Harry et Meghan Markle profitent du salaire du prince Charles. D'ailleurs, il se pourrait que ce soit ces investissements qui servent à aider le duc et la duchesse de Sussex. Alors que le prince Charles avait assuré qu'il ne les aiderait plus financièrement une fois le mégot y prononcé, une source proche du palais a insisté pour qu'il continue à les aider. Mais avec la crise en vue, le couple pourrait également voir ses revenus diminuer.